des tomates et de la langouste. Est-il possible de concevoir combinaison plus idéale, Watson? Roméo et Juliette furent séparés parce qu'ils étaient trop semblables. Oh, Watson, qu'attendez-vous pour venir déjeuner? Voyons, Watson, vous n'allez pas me faire la tête toute la vie pour une chose aussi anodine. Anodine. Alors, c'est anodin pour vous d'utiliser le mur comme cible de tir? Je n'ai jamais utilisé le mur à des fins aussi vulgaires, mon cher. Je n'ai fait que le décorer dans un but de patriotisme pur. Holmes, je suis un homme patient. J'ai souffert, mais en silence, de toutes vos manies. J'ai failli mourir asphyxié par vos expériences. J'ai eu les nerfs mis à rude épreuve par vos déguisements ridicules. Mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé prétendre que vos sottises étaient une expression de patriotisme. C'est vrai, VR sont les initiales de la reine. J'ai voulu célébrer l'anniversaire de sa majesté. L'anniversaire de sa majesté? Ça n'est pas une excuse. Eh bien, j'ai peut-être fait preuve de trop de zèle, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. C'est possible, mais... Très bien, Watson, sur l'honneur, je promets de ne plus recommencer. Oh. De la langouste et des tomates au petit déjeuner, c'est de la démence. Ça sent bon, je le reconnais. Alors, vous déjeunez avec moi? Mais oui. C'est curieux. Je ne l'attendais pas avant midi. Elle a dû prendre le train de nuit. Qui? Vous la verrez dans une minute. Ah? Je ne voudrais pas qu'elle ait l'impression de nous déranger. Monsieur Holmes? Oui, Miss Millicent Channing. Oui. Je vous ai écrit que j'arriverai à midi, mais j'étais tellement impatiente que j'ai pris le train de nuit. Je comprends. Vous ne voulez pas entrer? Voici mon ami et associé, le docteur Watson. Ravi de vous connaître. Comment allez-vous? Mais asseyez-vous, Miss Channing. Votre voyage a certainement été très fatigant. Surtout quand on sait que vous avez été obligée de faire en carriole une partie du chemin. Comment savez-vous que j'ai pris une carriole? Eh bien, j'ai remarqué que votre manche droite est couverte de boue. Il n'y a que dans une carriole qu'on puisse se faire autant éclabousser. Monsieur Holmes peut aussi vous dire la date de votre naissance, ainsi que les numéros des billets de banque que vous portez dans votre sac à main. Le docteur Watson exagère un peu. Mais pas tellement. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Holmes. On dit que vous êtes un des hommes les plus intelligents de Londres. On me flatte. Vous dites dans votre lettre que votre fiancé a disparu? J'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur, monsieur Holmes. Pourquoi, Miss Channing? C'est difficile à expliquer. Je peux me tromper. La semaine dernière, il devait venir chez moi pour dîner. Et il n'est pas venu. Ça m'a inquiétée et je me suis rendue chez lui. Millicent. On dit que si Mahomet ne vient pas à la montagne... Ma chérie, nous devions dîner tous. À 8 heures. Oh, je vous demande de me pardonner, le travail dans lequel j'étais plongé me l'a fait complètement oublier. Ma chérie, aimeriez-vous épouser un jeune professeur agrégé d'histoire à l'université de Londres? Je préfère vous épouser, vous, John. Je parle de moi. John, vous plaisantez? Il vous faut encore 3 ans avant de pouvoir obtenir une classe de professeur. Je peux l'avoir dans un mois. Une semaine, peut-être. Mais comment? Voilà. Vous êtes au courant des recherches que je suis en train de faire sur l'histoire anglaise du XIVe siècle. Oui. Eh bien, j'ai toutes les raisons de croire que j'ai fait la plus stupéfiante, la plus fantastique des découvertes. Oh, dites-la moi. Pas avant d'être sûr que ma théorie est exacte. Et si j'ai vu juste, je suis certain qu'une chaire me sera immédiatement proposée à l'université. Et mieux encore, je deviendrai célèbre. Oh, mais John, c'est déloyal de ne pas me mettre au courant. Oh, mais vous saurez tout bientôt, chérie. Demain, j'irai voir Sir Thomas Greston à Aberdeen. Je lui demanderai son aide. Il ne me la refusera pas, car ma réussite lui apportera aussi la célébrité. John,
Je veux être au courant dès maintenant. N'en parlons pas ce soir. Je vous raconterai tout quand je reviendrai après-demain, ma chérie. Rappelez-vous, le bonheur vient à ceux qui savent attendre. Mais il n'est pas revenu. Ni le jour convenu, ni le jour suivant. Je lui ai télégraphié au château des Greystone, lui demandant d'expliquer ce qu'il retardait. Voici la réponse que j'ai reçue. John Cartwright, inconnu ici. Signé Greystone. Oh, je ne savais plus quoi faire, monsieur Holmes. Finalement, je décidai d'aller jusqu'à Aberdeen et de voir Sir Thomas Greystone lui-même, espérant qu'il avait pu se tromper. Ici, miss. Je préfère pas aller plus loin, miss. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? C'est assez difficile à expliquer. Depuis que les Greystone ont eu des revers de fortune, on peut dire qu'ils sont devenus étranges, mystérieux, je dirais même. Ils reçoivent presque personne, et ceux qui par hasard viennent les voir s'attardent pas chez eux. Si j'étais à votre place, miss, j'attendrais qu'il fasse jour avant d'y aller. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis sûre que tout ira bien. Comme vous voudrez, miss. Hélène. Je voudrais voir Sir Thomas Greystone, s'il vous plaît. Mon nom est Millicent Channing. Voudriez-vous aller le lui dire? Miss Channing! C'est vous qui avez envoyé le télégramme. Oui. Je suppose que vous allez me croire folle pour être venue d'aussi loin, Sir Thomas. Walter Greystone est mon nom. Sir Thomas est mon père. Si vous êtes venu chercher d'autres renseignements à propos de votre monsieur Cartwright, oui, je dirais que vous êtes folle. Nous n'avons jamais entendu parler de ce monsieur. Mais enfin, c'est insensé. Il m'a dit qu'il devait venir ici pour parler à Sir Thomas. À propos de quoi? À propos d'une découverte qu'il avait faite au cours de certaines recherches historiques. Et cette découverte devait le rendre célèbre, ainsi que Sir Thomas. Je peux vous assurer, Miss Channing, que personne n'est venu nous voir à ce sujet, ni lui ni un autre. Mais pourtant, je sais qu'il a pris le train de 6 heures jeudi, je l'ai accompagné à la gare. Le train de 6 heures s'arrête à de nombreuses gares. Peut-être est-il descendu à l'une d'elles. Mais pourquoi? Ça, je l'ignore, miss. Je m'excuse. Comprenez-vous, il s'agit de mon fiancé.
Je comprends très bien, mais je ne peux rien vous dire de plus. Je regrette de vous avoir dérangé. Une minute, miss. Le télégramme m'a coûté 2 shillings. J'aimerais que vous me les remboursiez. Père, toi, tais-toi. Je ne suis pas un bureau de charité. Êtes-vous Sir Thomas Greston? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas dit que vous l'étiez? Ni que je ne l'étais pas. 2 shillings, s'il vous plaît, Miss Channing. Merci. Bonne nuit, Miss Channing. Malgré l'impression étrange que m'avaient faite les Greston, je ne pensais pas qu'ils m'avaient menti. Pourquoi auraient-ils nié avoir vu John? Cependant, alors que je traversais le jardin en repartant, je trouvais cet emploi du temps dans les buissons. Et sans doute, ces notes dans la marge sont de la main de votre fiancé, Miss Channing. Oui, Monsieur Holmes, ils ont menti. Il était venu et, pour une raison que j'ignore, il voulait le cacher. Il est évident qu'il avait dû demander la route du château et noter les renseignements dans la marge. Il est parfaitement évident que les Greston ont menti, mais pourquoi? Quelqu'un vient leur offrir une chance de devenir célèbre, il la refuserait? Il existe d'autres considérations plus impératives que la célébrité. Oui, quelles autres considérations, par exemple? C'est ce que nous devons découvrir. Vous acceptez de m'aider, Monsieur Holmes? Je ferai de mon mieux, Miss Channing. Oh, Watson. Oui? Quels sont les rois ayant régné au XIVe siècle? Voyons, voyons, XIVe siècle, il y a quelques Henri et Richard II, naturellement. Richard II, oui. N'a-t-il pas été exécuté, Watson? Oui, à Pontefract Castle, le 21 septembre en 1300... Miss Channing, j'aimerais beaucoup que vous me conduisiez à l'appartement de votre fiancé. À son appartement? Et pourquoi pas au château des Greston? Eh bien, je préfère ne pas y aller sans être armé. Mais nous avons tous les deux un revolver. Je voulais parler, Watson, des renseignements qui ont pu entraîner la disparition du fiancé de Miss Channing. Nous partons, Miss Channing. Eh bien, je ne vois rien d'intéressant là-dedans. Voulez-vous jeter un coup d'œil, Watson? Oh, merci, Miss Channing. Merci. Ah ah! Voici donc ce que Cartwright trouvait si passionnant. Qu'est-ce que c'est, Holmes? Il aura sûrement mérité sa chaire de professeur s'il a pu comprendre ça. Écoutez. Cette promesse à Richard, moi, Richard, je la fais. Toute chose prise à Richard, également à Richard, je rendrai. Donc, que Richard regarde vers l'étoile du Nord, puis fasse 6 et 7 pas d'abord, presse alors et compte 10 en descendant. Mais prends garde à toi en arrivant. Quand tu seras entré et que ressortir tu voles, le lion t'ouvrira si tu appuies sur sa gueule. Les vers et le rythme sont bons. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, c'est très simple, Watson. Écoutez, Holmes, quelquefois je crois qu'un voyage dans la lune sur un parapluie vous semblerait simple. Eh bien, analysons vers par vers. La première partie n'est rien de plus qu'un reçu. Un reçu? Certainement. Cette promesse à Richard, moi, Richard, je la fais. Toute chose prise à Richard, également à Richard, je rendrai. Évidemment, Richard avait confié ses biens à un ami loyal et il reçut de lui la promesse qu'il lui serait rendue. Oui, oui, je comprends. Le reste de l'inscription ne fait qu'indiquer de quelle façon il pourra les reprendre. Tenez, que Richard regarde vers l'étoile du Nord. Une espèce de carte, autrement dit. Exactement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la disparition de Cartwright? Eh bien, Wilkinson, dans sa biographie de Richard II, rappelle que l'un des plus loyaux partisans du roi était Richard Greston, le seigneur qui a fait construire ce château. Cartwright a dû avoir l'idée que c'est à lui que le roi Richard avait confié ses biens. Alors, il est venu pour le prouver. Oui. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi John n'est pas revenu. Cette explication, Miss Channing, ne nous sera sans doute fournie qu'à Greston Castle.
C'est étrange, on dirait qu'il n'y a personne. Je vais entrer et revenir ouvrir. Oui. Suivez-moi et ne vous éloignez pas. Cette promesse à Richard, moi, Richard, je la fais. Toute chose prise à Richard, également à Richard, je les rendrai. La partie du bas semble avoir été effacée par le feu. Et il y a beaucoup de chances pour que les richesses du roi Richard n'aient encore jamais été retrouvées. Non, elles ne l'ont pas été. Ainsi vous êtes revenue, Miss Channing. Où est-il? Que lui avez-vous fait? Nous le gardons enfermé dans le donjon. Puisque vous êtes ici, peut-être pourrez-vous persuader Monsieur Cartwright de nous révéler le secret de l'inscription. Nous y refusons absolument. Ce garçon s'est mis dans la tête de remettre les biens du roi Richard à la reine comme cadeau d'anniversaire. Ils représentent une fortune, et légalement, ils m'appartiennent. Légalement, ils appartiennent à la couronne. Ne perdons pas de temps à discuter. Mais réfléchissez bien. Ou bien vous persuadez M. Cartwright de parler, ou bien aucun de vous ne quittera cette pièce vivant. Dans ce cas, je ne veux pas lier mon destin à la volonté d'un autre homme. Je vais vous conduire à l'endroit où ces richesses sont cachées. Holmes! Pourquoi se faire tuer pour une pièce de musée, Watson? Regardons de nouveau l'inscription. Cette promesse à Richard, moi Richard, je la fais. Toute chose prise à Richard, également à Richard, je rendrai. Nous n'avons nul besoin de vous pour comprendre ça. Continuez. Le sens en est parfaitement clair. Quel que soit le trésor pouvant être caché, il appartient à la famille royale et à personne d'autre. Que Richard regarde vers l'étoile du Nord. Eh bien, ça nous indique la direction. Vous croyez? On peut voir l'étoile polaire de n'importe quelle partie de cet hémisphère. Votre ancêtre savait cela. Il a dit que Richard regarde. Et il parlait de ce Richard. En d'autres mots, la direction nous sera fournie en faisant face au nord de cet endroit même. Je suis maintenant juste face au nord. Puis face, 6 et 7 pas d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais simplement de faire 13 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Presse alors et compte 10 en descendant. Presse. Un escalier. Et compte 10 en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. C'est ici.
des diamants, des rubis, des émeraudes, enfin. Il y a des années que j'attends ce moment-là. Des diamants. Des rubis. Et maintenant, je vais me retirer. Je crains de ne pouvoir vous laisser partir. Mais votre promesse... Nous prenez-vous pour des fous, vous iriez tout droit à la police. Je veux profiter de cette fortune. Je ne vois pas comment, avec ou sans nous. On dirait que votre ancêtre avait pris ses précautions. Vous le saviez? Oh, je m'en doutais. Alors vous devez savoir comment sortir, autrement vous ne seriez pas entré. Dites-le-moi immédiatement, sinon je vous abats comme un chien. Alors que je suis le seul à avoir le secret permettant d'ouvrir cette porte? La moitié des bijoux. La moitié des bijoux si vous nous faites sortir. Tous les bijoux. Dites-nous comment sortir et je vous les donne tous. Non. Non, ils sont à moi. Pas une seule. Pas une seule de ces pièces d'or. Êtes-vous devenu fou? Voulez-vous que nous restions ici à pourrir? Le trésor est à moi. Le trésor est à moi. Personne n'a le droit de le prendre, non. Ne faites pas attention. Donnez-moi votre fusil. Vous pouvez prendre le trésor. Je ne veux que le fusil. Les deux derniers vers de l'inscription disent, si je me rappelle, quand tu seras entré et que ressortir tu veules, le lion t'ouvrira si tu appuies sur sa gueule. Tout s'est passé pour le mieux. Les Greyston sont en prison. Les deux amoureux sont réunis. Et vous et moi, nous régalons de langoustes et de tomates. J'éprouve une sensation de bien-être. N'avez-vous aucun remords de conscience, Watson? Non, aucun. Pourquoi? J'ai remarqué la pièce d'or à votre chaîne de montre. Vous avez dû la voler dans la cave au trésor. Moi, voler? Certainement pas, je me la suis fait offrir par l'intermédiaire du ministère. Oh, vraiment? Eh bien, c'est très habile de votre part, ouais. Pourquoi ne pas en faire autant, Holmes? Vous n'aimeriez pas avoir un souvenir? J'en ai déjà un. Regardez ça. Mais Holmes, une lettre personnelle de remerciement de Sa Majesté, eh bien... Mon cher Holmes, toutes mes félicitations, les plus sincères. Je les accepte, Watson. Thank you.